Aujourd'hui, c'est le moment de souhait. Je vous dis bonjour, bienvenue sur la chaîne Authentique Succès, Senelcius Joseph. Beaucoup de personnes dans les familles, dans les institutions, sur les réseaux sociaux, beaucoup de partage de souhaits. Moi aussi, dans le même itinéraire, je tiens à vous dire bonne et heureuse année 2021. Mais je ne vais pas rester là seulement pour vous dire bonne année, mais aussi de vous aider à réfléchir un peu. Réfléchir sur votre vie, réfléchir sur votre réussite, réfléchir sur votre être. Parce que vous n'êtes pas sur terre pour accompagner les autres. Vous êtes venu sur terre pour réussir, pour dominer. Voici votre but. Eh bien, si vous voulez dominer, réussir, mes chers amis, ce jour-là est important de réaliser le bilan. Le bilan de l'année 2020. Dans le bilan, vous allez retrouver des choses négatives, des choses positives. Vous avez fixé des buts, des objectifs, et vous allez voir dans le bilan que ces objectifs-là sont irréalisables. Mais c'est important pour continuer la route, pour continuer à combattre. Le bilan est indispensable. Vous devez réaliser votre bilan. L'année 2020 a apporté des pleurs, des grincements de dents dans plusieurs pays, dans plusieurs sociétés. Beaucoup de personnes qui avaient des objectifs, des buts, sont malheureusement dépouillés de leurs biens, malheureusement sont morts. Oui, sont morts, malheureusement. Mais si vous êtes en vie, je tiens aussi à vous dire de remercier le Seigneur, parce que c'est lui qui vous donne le souffle de vie. Et ensuite, de réaliser votre bilan. Mes chers amis, vous n'irez jamais loin si vous n'avez pas un but, si vous ne fixez pas des objectifs. Parce qu'il y a une grande différence entre un but et des objectifs. Par exemple, le but est quelque chose que vous voulez avoir, ok, vous voulez atteindre. Mais les objectifs, ce sont des idéaux qui vous aident à réaliser le but. Par exemple, si vous voulez devenir un grand joueur de football, ici c'est le but. Les objectifs, pourquoi vous voulez devenir un grand joueur de football? Pour avoir de l'argent, pour avoir des amis, etc. Ici, avoir de l'argent, avoir des amis, ce sont des objectifs. Mais devenir un grand joueur de football ou de basketball est un but. Dans votre plan, vous avez eu, si vous avez eu un plan, mais si vous regardez dans votre plan, vous allez retrouver des buts ou des objectifs irréalisables. Eh bien, c'est bon parce que vous êtes en train de réaliser le bilan de l'année 2020. Le bilan sur le plan économique, le bilan sur le plan social, le bilan sur le plan familial, etc. Et ainsi, vous allez organiser votre vie parce que vous voulez réussir. Réussir dans la vie, ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose d'organisable. Vous devez organiser votre vie, vous devez planifier votre vie si vous voulez réussir. Vous devez, mes chers amis, réaliser votre bilan aujourd'hui même ou dans les jours à venir quand vous regardez cette vidéo. Et ainsi, vous allez dire que voici, le point 1 n'est pas réalisable, le point 2 n'est pas réalisé. Le point 5 n'est pas réalisé. Eh bien, je vais focuser sur ce point-là pour atteindre ce but-là dans l'année 2021. Oui, après avoir réalisé le bilan, vous allez fixer des objectifs. Après avoir fixé des objectifs, vous allez organiser, vous allez regarder est-ce que
ces buts, ces objectifs sont réalisables et vous allez vous fixer, vous faire des plans ou un plan qui va vous aider à réaliser vos objectifs, vos buts. Je vous souhaite de passer une année de bonheur, de succès. Je vous souhaite aussi de continuer à regarder la chaîne Authentique Succès pour avoir assez de bagages pour réussir. N'oubliez pas de partager cette vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper, de cliquer sur le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de commenter cette vidéo-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bonne et heureuse année 2021. Je vous souhaite une vie de succès, authentique vie, authentique succès. Bye bye.